ça fait quoi d'avoir la moins puissante là? Ouais, ouais, mais après j'ai pas envie de serrer ou quoi, tu vois. Everything I say, I only say it for the money. Everything is everything, and everything is money. Everything is everything, and everything is money. Je penche plus avec celle-là ou la derby? Celle-là. Donc voilà, là pris la RS125. Celle-là elle est de 96. Donc voilà la bête. Bon, la bête hein, ça reste un 125. Ça va, ça c'est de patate et tout. Donc l'arrière il est moche. Voilà, elle a un gros cul cette moto. Après bon, tu vois. Alors là la chaîne elle est à droite. Normalement elle est à gauche comme sur l'MT de là-bas. Et parce que en fait il y a tout qui est inversé, le carter d'embrayage et tout, c'est inversé, bref. Alors, le réservoir, on a 13 litres. Ouais, 13 litres. Et on tient 120 bornes avant la réserve. Quand on roule comme moi, ça craint. Donc il n'y a pas de warning, c'est dommage. Les gars. Donc le compteur il monte jusqu'à 200, mais ils étaient pas trop optimistes comme la CBR 125R. Parce que bon, là celle-là elle monte, ça va. La moto en réalité elle monte jusqu'à 12 500 tours, pas 14 000. Mais honnêtement, je tire jamais au-delà d'11 000. J'ai pas envie de la serrer quoi. Et les suspensions, je trouve, enfin, c'est assez bon quoi. L'arrière, la suspension arrière, elle est réglable de partout, précharge, en détente et en compression. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, le freinage, c'est sympa. La bulle, la position, elle est beaucoup plus radicale que sur la RC125 pour ceux qui connaissent. Mais c'est franchement, c'est sympa à conduire. Bon, peur de serrer comme d'hab en mettant de temps, normal. Donc voilà la petite appli RS125. Donc déjà hein, la position elle est beaucoup plus sportive que sur toutes les sportives que j'ai essayé, autrement dit pas beaucoup. Ouais aussi, alors c'est rétro là, ils ne servent à rien, on voit pas dedans. On voit le ciel, je vois le ciel, et pour les régler, voilà. Cette moto elle est vachement stable, j'ai pris des courbes à on va pas dire rapide, mais à certaines vitesses. Et franchement, ça, enfin, honnêtement, comparé à tout ce que j'ai essayé, vraiment ça bouge pas. C'est bon, j'ai pas essayé beaucoup de bolides hein, non plus, hein, faut pas déconner. Ouais, donc on évite au-delà des limitations de vitesse. Ouais, c'est assez perturbant au début, surtout quand tu viens de la 50. Ouais, franchement, pour une petite 125 de temps comme ça, ça marche bien. Franchement, j'aime bien. C'est vraiment sympa. Alors aussi, pour la prise en main, vous qui descendez du 50 ou d'un supermote, faites attention. Hein. Je dis, c'est une sportive. La position, c'est pas du tout comme la RC125. La RC125, c'est un roadster à côté. Non, la position elle est assez radicale pour quelqu'un qui descend dans SL.
Les pauvres. Ah le bâtard. Les pauvres. La rage que je leur ai mise, So go, let me show you to the door. But will you stop me, try and fight me in my own home, like a heavy price tag. My God, look what happened to the critic.